Lulu vendait ses toiles. Jaco plongeait dans un bistrot, Dédé goûtait les vins. Moi j'étais fort au halle et Gégé lavait les carreaux. On allumait une cigarette et tout s'allumait. C'était la fête le 14 juillet. Il n'y avait jamais un copain de trop dans la bande à Jojo. Et me revoilà avec un nouveau tuto du bon vieux Joe Dassin que je vais axer relativement débutant. J'ai simplifié au maximum, vraiment au maximum, tous les accords. Et je vous donnerai deux rythmiques, une rythmique débutant, une rythmique un tout petit peu plus complexe. Allez, on se retrouve tout de suite. L'équipe à Jojo, Joe Dassin. Pour vous les débutants, j'ai simplifié au maximum ces accords. Au risque de me répéter, mais sachez quand même qu'il y a environ entre 250 et 300 abonnés de plus tous les mois. Du coup, je suis bien obligé de leur expliquer. Voici le document lié à ce tuto que vous trouverez en cliquant sur le lien qui figure dans le descriptif de la vidéo. Là, vous allez tomber sur un site et chaque titre de chaque chanson vous permet de télécharger la chanson et l'image elle-même vous mène vers les vidéos. Pourquoi ? Parce que je vous ai préparé un petit code couleur. Quand vous verrez du rouge, c'est que vous aurez une mesure complète, c'est-à-dire 4 basses, du bleu 2 et du noir qu'un seul accord. Et je vais vous expliquer tout ça tout de suite. Pour vous les débutants donc, si on démarre par un do, ce qui sera le cas, je vais jouer une basse et un petit aigu. Quand je dis un petit aigu, c'est vraiment un tout petit coup de poignet ici sur 3 cordes. On vise ici hein, sol si, sachant qu'on va toucher évidemment la corde de mi également. Si je fais ça en boucle, doucement, ça me donne ça. La difficulté pour vous, ça sera d'attraper à chaque fois la bonne basse. Mais si vous vous trompez comme moi là tout de suite, eh ben, on s'arrête pas. Hein, voilà. Si vous voulez faire cette chanson avec vos doigts, il n'y a bien entendu aucun souci. C'est peut-être plus simple pour la basse. Et avec la pulpe de mon doigt, ici je ferai les aigus. Ça fonctionne très bien. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Sachant que la vitesse, c'est... Moi, je préfère le médiator. Pourquoi ? Parce que tout à l'heure, je vais faire une rythmique plus complexe qui fait ceci. Et avec mes doigts, c'est un peu plus compliqué à faire. À vous de voir. Bien. Fort de ça, les accords vont s'afficher avec ce fameux code couleur, sachant que pour vous, les débutants, vous voyez qu'il y a un sol dièse à la fin, suivi d'un sol, deux accords. Donc, nous, ce qu'on va faire pour vous, les débutants, c'est que c'est pas très important ce détail-là. On va passer en sol directement. On va oublier le sol dièse pour l'instant. 3, 4 et 2, 3, 4. Je recommence. D, M et 1, 2. Je passe en sol. 2, 3, 4. Encore. Et 1, 2, sol. Et on commence. 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4 et sol. Je recommence. Et là, je vais faire 2 do. 1, 2. Fa majeur septième et Do. Et on en a fini avec le couplet. Pour ce qui est du refrain, eh bien, voyez que quasiment tout est en bleu. Du coup, eh bien, on aura deux accords à chaque fois. Et on commence par le Ré mineur. 3, 4 et 1, 2, Sol et Do, La mineur. Et on recommence Ré mineur, Sol. Et on recommence ce qu'on a fait tout à l'heure, c'est-à-dire 1, 2, Fa et Do. Et de nouveau, exactement la même chose. 1,
deux, sol, do, la mineur, ré mineur, sol. Et là, on a une petite variante parce qu'on va faire deux, do, deux, fa majeur septième. Et on rattaquera à ce moment-là le couplet suivant. Voilà pour le rythme basique de cette chanson. Voyons maintenant pour les gens un tout petit peu plus avancés. Voici ce que je vous propose. Pour l'intro, je vais faire une alternance de Do et de Fa majeur septième en faisant ceci. Basse, bas, haut, bas, haut, bas, haut, basse. Bas, haut, bas, haut, bas, haut, basse. Et vous sentez bien qu'il y a certains coups qui sont accentués et d'autres non. Basse, bas, haut, bas, haut, bas, haut, basse. Ce qui correspond, ces coups accentués, à ça. Ce qu'on a vu avec les débutants, il faut que ces deux coups, ces deux aigus, soient accentués. Encore une fois. Faisons ensemble l'intro qui s'affiche. 3, 4 et... Et on attaquera le chant à ce moment-là avec ce rythme. On y va ensemble avec ce rythme, sachant que, pour le coup, on fera bien le sol dièse et le sol, puisqu'on n'est plus au niveau débutant, et on ira jusqu'au bout de ce couplet entier. 3, 4 et... Refrain. Pour le refrain, il n'y a pas de surprise, hein. C'est toujours le même rythme, sauf qu'on aura deux accords à chaque fois. On y va au moins pour le début. 3, 4 et... Voyons ce petit détail, ce Do, Fa majeur septième et Do. On attaque sur le Do, on fait une note rythmique. Et Fa et Do. Encore. Allez, allons voir du côté du chant. Pour trouver la bonne note pour commencer à chanter cette chanson, c'est un Mi. Lulu, Lulu vent. Allez, fort de ça, c'est la guitare qui va commencer si vous êtes débutant. Vous voyez que sur la partition, tous les accords de ces débuts de phrase sont avant la phrase. Ça veut dire que je vais jouer ma basse et chanter après, ce qui me fait... Lulu, Vendée, s'étoile, Jaco plongé dans un bistrot, Dédé goûter les vins et... Toujours pareil pour le placement. Moi j'avais fort au hall, j'étais pardon. Et j'ai lavé les carreaux. Pierrot ne faisait rien. Alors on a fait sauter le sol dièse, bien entendu, c'est pas tout à fait juste par rapport à l'original. Mais franchement, peut-être que peu de monde s'en souvient. On attaque la suite. On s'était fait les poches pour se payer un vieux taco fleuri sur le capot qui rêvait de Provence et qui mourut à Fontainebleau.
et on attaquera le refrain à ce moment-là. Le refrain, eh bien, c'est le chant qui va attaquer en faisant « On allumait une cigarette » et cette basse de ré mineur arrive sur le ret de cigarette. « On allumait une cigarette et tout s'allumait et c'était la fête le 14 juillet. Qu'est-ce qu'il n'y avait jamais un copain de trop ?» Dans la bande à Jojo, même chose. Y avait moins de nuits sans guitare que de jours sans pain. On partageait tout et on n'avait rien. Qu'est-ce qu'on sentait fou, qu'est-ce qu'on s'en foutait, qu'est-ce qu'on était bien. Et là, de do, de fa, et on attaque. On louait pour des prunes. Le couplet suivant. Commencez à le faire à toute petite vitesse comme ça et accélérez petit à petit. Voyons maintenant pour les autres avec le rythme un tout petit peu plus compliqué. Comme pour les débutants, on va attaquer les chants sur les aigus. Mais là, vous allez voir, pour que ça sonne bien cette histoire, je vais vraiment accentuer les basses également. On y va. Lulu vendait des toiles. Jaco plongeait dans un bistrot, Dédé goûtait les vins. Moi j'étais fort au halo, j'ai lavé les carreaux. Pierrot ne faisait rien et on s'était fait les poches pour se payer d'un vieux taco fleuri sur le capot qui rêvait de Provence et qui mourut à Fontainebleau. Revoyons ce détail sur la fin. Fontainebleau. On allumait une cigarette et tout s'allumait. C'était la fête le 14 juillet. Il n'y avait jamais un copain de trop dans la bande à Jojo. Et la suite tout à l'avenant. Voilà, je pense qu'on a tous les détails pour faire cette chanson. Allons-y pour la petite récap. Voilà ce que je vous propose pour cette récap. On a vu le premier couplet, du coup, on ne va pas le refaire. Hein, comme ça, vous pourrez vous entraîner sur le reste. Je vais faire l'intro. Je vais la faire façon avancée, l'intro. Parce que si vous êtes débutant, vous vous contenterez de faire basse et aiguë. Ensuite, je vais faire le deuxième couplet, c'est-à-dire « On louait pour des prunes » façon débutant, un refrain façon débutant. Et ensuite, je ferai le dernier couplet, c'est-à-dire à partir de Lucien, mis des voiles façon avancée et avec le dernier refrain façon avancée. Et comme ça, on verra à la fin. Ouf ! C'est parti ! Intro 3, 4 et... On louait pour des prunes les quatre murs d'un vieux grenier tout prêt à s'écrouler. Mais pour toute une fortune, on n'aurait pas déménagé. On allumait une cigarette et tout s'allumait. C'était la fête le 14 juillet. Il n'y avait jamais un copain de trop dans la bande à Jojo. J'avais moins d'une nuit sans guitare que de jours sans pain. On partageait tout et on n'avait rien. Qu'est-ce qu'on était fou, qu'est-ce qu'on s'en foutait, qu'est-ce qu'on était bien. Lucien a mis les voiles et Jacques s'est payé un bistrot où André boit de l'eau. Je ne suis plus fort au halo. Roger inspecte les impôts, Pierre cherche du boulot. J'ai changé de guitare, mais j'ai gardé comme un cadeau cet air qui me tient chaud au fond de ma mémoire, celui de l'équipe à Jojo. On allumait une cigarette et tout s'allumait. Et c'était la fête le 14 juillet. Il n'y avait jamais un copain de trop dans la bande à Jojo.
Y a même une nuit sans guitare que deux jours sans pain. On partageait tout et on n'avait rien. Qu'est-ce qu'on était fou et qu'est-ce qu'on s'en foutait. Qu'est-ce qu'on était bien. On allumait une cigarette et tout s'allumait. Et c'était la fête le 14 juillet. Il n'y avait jamais un copain de trop dans l'équipage Jojo. Il y avait moins d'une nuit sans guitare que deux jours sans pain. Et on partageait tout et on n'avait rien. Qu'est-ce qu'on était fou, qu'est-ce qu'on s'en foutait. Et qu'est-ce qu'on était bien. Et voilà pour ce tuto. Quand je dis débutant, hein, évidemment, il faut avoir quand même quelques semaines de pratique pour pouvoir jouer et chanter cette chanson, à moins de la faire vraiment tout doucement, et pourquoi pas. Je compte sur vous pour me faire vos commentaires, pour vous abonner, pour visiter mon site où il y a actuellement quasiment 200 tutos, dont, on va dire, environ, peut-être 80-90 qui sont vraiment réservés à des débutants. Allez, à très très bientôt pour un nouveau tuto.